Oui, les amis, c'est notre deuxième partie. Excusez-moi, la vidéo a été coupée. Ça, c'est les épices que j'ai fait. J'ai mélangé le adja, l'oignon, poireau, oignon, ciboulette, poivre noir, muscade, gingembre, tomate en boîte. Et là, je vais mariner mon poulet. Là, je suis en train de mariner mon poulet. Suis en train de mariner le poulet que je veux braiser. Je suis en train de mariner le poulet. Donc, ce soir, j'ai ça. En train de mariner mon poulet. Entre-temps, nous avons le sakasaka au feu. Nous avons l'haricot qui bout. Nous allons mélanger le tout, l'haricot et le sakasaka. Chez nous, au Congo, on appelle ça nsakamadesu. C'est ma première fois. Depuis que je suis née, c'est ma première fois que je mange et que je prépare ce repas. Et là, nous allons laisser notre poulet mariner pendant 1 heure. Et nous allons attendre la cuisson du sakasaka et l'haricot. Ensuite, on passe à autre chose. Et on se voit à tout à l'heure, les amis. Merci. Oui, les amis, là nous avons notre poulet qu'on a mariné. Le poulet. J'ai le poulet. Le pulveria. Le poulet pulveria. Soso nanga ya makasi. Soso na soto kutumbango. Na kotokisango te. Et okende kaka boye na four. On a besoin d'un beli. Et au kende na four baninga et compagnie de sakamade sur la biso ou sosu nanga poulet pulveria sosu ya makasi na épicé kango bomonaki na épice nyoso na tiaki adja no awa na komo tiango na moto. Na moto et à tout à l'heure. Na moto. On a plateau, on a déjà assez. Voilà. Le plateau est là, je vais mettre de l'eau. Au fond là. Na rotia na chima futa na pondu ngoto kodi na pondu e bele ma futa e bele na bepis na chaki oignon poireau ciboule na mixe ke nyonso na rotia wa poivron na nga na kotia tomate te na katia wa na kotia tomate te batiaka tomate te ntango alambaka ntiaka madesu batiaka lisu tomate te parce que pondu deja eza na mafuta donc awa madesu na biso tokozela pondu ebela ensuite à tout à l'heure on va laisser le pondu la cuire pendant 20 minutes 20 à 20 minutes et puis on va mettre les haricots à tout à l'heure komi heure me souci. Et oui les amis, là on a notre sakasaka.
haricots. Bisite motezangi nga nana ba mbisi na nga mukalu me na lingaki ezalaka bongo son bisi donc on saka na desu na ngai na kotika ngo na kotia cube na nga na tia ki mungwa awa na koni kotia cube cube or ya cube te me batumso batuno me folo baba kombo me o batumso lo baba kombo te cube me puisque nazo lamba biloko ango donc un petit cube nanga entre temps soso na biso ezo bela donc pondu oyo to lobi soso na lobaki 20 minutes o na ti madesu po tsaka madesu fo ebela ka deja donc ko umela te ce que umeli e komi poto donc na ti madesu nangai et toka tout à l'heure on se retrouve à la cuisson après le poulet. Là, on laisse encore 15 minutes. À tout à l'heure. Et oui, les amis, ça, c'est mon sakasaka ou haricot blanc. Sakamade sunanga yango yobaninga. Tosili sikolamba sakamade sunabiso. Voilà. Oyo soso na biso to tumbaki. Soso na biso ya pulveria. Allez, likez, commentez, regardez le poulet, ça est là. Voilà, c'est mon poulet que j'ai fait. C'est mon poulet. Soso na biso ya ngoyo. Tumbami ki toko ya ngoyo. Voilà. C'est mon poulet. Pensez à abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Je vous aime les amis. Et pour tous vos décorations, location de matériel, service traiteur, pensez à appeler F Traiteur au 07 81 01 86 95. F Traiteur se déplace partout, même au Congo. Et regardez ce plat, ce magnifique plat que j'ai fait pour vous. Et je vous dis à bientôt.